Oui, c'était notre objectif de trouver cet attaquant au niveau international pour nous porter à une autre dimension. Ça a été travaillé de longue période. Je pense que si Casper est là aujourd'hui, c'est aussi grâce au travail de l'ancienne direction avec Gauthier et Gilles. Et aujourd'hui, avec Julien et le président, qui ont réussi à finaliser la venue de Casper. C'est un joueur qui peut évoluer tout seul devant, qui techniquement est un joueur très confortable avec le ballon. Mais ce qui m'a vraiment plu chez lui, c'est la générosité qu'il a sur le terrain, travailler pour l'équipe. C'est un attaquant qui est capable de marquer. C'est un joueur important pour nous, pour le futur de l'OGC Nice. On est vraiment très content et très heureux de l'avoir avec nous. Même si c'est vrai que ces dernières semaines ont été un peu compliquées avec lui parce qu'il n'a pas eu énormément d'entraînement avec l'Ajax. Il faudra lui laisser le temps pour trouver son niveau. Mais ce qui est important, c'est qu'on sait de quoi il est capable. On va lui donner le temps qu'il faut pour retrouver son niveau. On va travailler avec lui. On va être à sa disposition pour l'aider à travailler et à faire voir tout son potentiel. Son profil, c'est un joueur qui sait tout faire. C'est vraiment le profil qu'on recherchait. C'est le joueur qui est capable de rendre les joueurs autour de lui meilleurs. C'est un joueur qui est capable d'être à la finition. C'est le joueur qui est capable de donner la dernière passe. On attend beaucoup d'Adam, même si je mets beaucoup de pression. Mais c'est un joueur qui, malgré son âge, a énormément d'expérience. Ça va être un joueur important dans notre collectif. Il sort d'une saison assez compliquée où il a pas beaucoup joué. Mais c'est un joueur qui a énormément de talent. Il a besoin d'exprimer, il a besoin d'être sur le terrain, il a besoin de jouer. Et sincèrement, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut ici au club pour justement montrer au niveau international à quel point c'est un bon joueur. Alexis, c'est un joueur qui peut évoluer sur le côté. Et il peut évoluer aussi juste derrière l'attaquant. C'est un joueur qui est capable de percuter, c'est un joueur qui est capable d'éliminer, c'est un joueur qui est capable de jouer entre les lignes. Et aussi un joueur qui est capable de marquer entre 10 et 15 buts par saison. La pression est mise. Non, mais je connais un peu plus par rapport à ces deux, trois derniers jours, mais c'est vrai que son envie de venir à Nice a été étonnant par rapport au choix qu'il avait. Et c'est quelqu'un qui a vraiment adhéré au projet, à la philosophie de jeu. Et ça a un peu traîné par rapport à la situation du club. Mais l'avoir avec nous est vraiment un gros coup pour nous et pour le groupe et parce qu'il va nous faire évoluer. Et ça me permettra à moi aussi d'avoir beaucoup plus de choix sur le plan offensif. Et j'espère qu'il va se remettre de la petite blessure qu'il a. Et après la trêve internationale, il sera avec le groupe.